Depuis longtemps maintenant, la guerre de gang fait rage dans les rues de Los Angeles. Déjà bonjour, c'est le Nil, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, mais il y a des gens qui le savent pas encore. Ça me rend ouf, parce que moi je suis là, je vous rappelle, chaque vidéo je le dis, abonnez-vous, likez tout ça, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Peut-être que c'est moi qui ai omis de le rappeler ces derniers temps avec Ops, tout ça et tout. Très bien, je vais faire un dernier rappel, c'est la dernière fois. C'est le Nil, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, like, abonne-toi et commente. C'est gratuit. C'est facile, c'est rapide. On peut commencer la vidéo. Ouais, c'est devenu long. D'un côté, on a les Crips et de l'autre côté, on a les Bloods. Sans doute les gangs les plus dangereux et les mieux établis à travers les États-Unis. Parmi eux, de nombreux rappeurs à succès en font partie ou en ont fait partie. On a Snoop Dogg, Warren G, Corrupt ou encore Schoolboy Q pour les Crips. Et Suge Knight, YG, The Game ou encore Lil Wayne pour les Bloods. C'est bien beau tout ça, hein? C'est bien beau. Mais qui sont-ils? Où ça a été créé? Comment ça a été créé? Nous allons le voir tout de suite dans l'histoire des Crips et des Bloods. Le but, c'est de créer le plus d'enterrements possible. Nous sommes dans les années 60. Les écrans de télévision sont en noir et blanc, nous sommes encore en pleine guerre froide, et la ségrégation raciale, mise en cause depuis 1954, il est important de le rappeler, est encore légale dans la plupart des États du Sud. Et les Noirs, qui ne revendiquent pas encore la dénomination d'Africains d'Amérique, n'occupent malheureusement que des places subalternes dans la vie sociale et le monde professionnel. Je viens de parler des différents meurtres politiques auxquels on a été confrontés dans la même décennie. Malcolm X et Martin Luther King sont les plus connus. Et là, voilà, c'est la goutte de trop. 1969, les deux leaders du mouvement Black Panthers sont assassinés. Les Black Panthers, en gros, c'était un groupe qui défendait et protégeait la communauté noire des violences policières. Je grossis les traits, bien évidemment. Suite à l'assassinat des deux leaders, le mouvement tendait un peu à disparaître. Mais un jeune garçon du nom de Raymond Washington fonde le groupe des Baby Avenues Westside pour protéger lui-même son quartier, South Central. Il n'avait alors que 15 ans. Tu faisais quoi, toi, quand t'avais 15 ans? C'est bien ce que je pensais, rien du tout. Puis en s'alliant au Baby Avenues Eastside, dirigé par Tookie Williams, les deux leaders donnent naissance au fameux gang des Crips. Le but principal de ce gang était de surveiller que les lois étaient bien respectées vis-à-vis des Noirs américains. Mais au fur et à mesure, le gang tendait plus vers une organisation criminelle, jusqu'à avoir la réputation de gang de voyous. À cette époque, les Noirs étaient tous confinés dans des quartiers pauvres et ils n'étaient pas du tout pris en considération. Donc ça emmagasinait énormément de haine, énormément de violence, ce qui à mon avis tout à fait compréhensible, c'est pas toujours facile de se faire entendre pacifiquement. Nous sommes en 1972. Les agressions les rackets commis par les Crips de Canton ne se comptent plus. Alors des jeunes de Piro Street s'allient à d'autres gangs et forment leur propre gang pour se défendre et se nomment les Bloods. Vincent Owens et Sylvester Scott sont considérés comme les principaux fondateurs. Nous sommes en 1978, 45 gangs rattachés aux Crips opèrent dans les rues de Los Angeles. C'est tout simplement énorme. Tu tournes la tête à gauche, tu vois un Bloods, tu tournes la tête à droite, tu vois 3 Crips. La tête de moi, je suis un Blood, je cours. Gang, pas gang, je m'en fous. Vont pull-up à 3, t'es malade. Donc pour affirmer leur puissance malgré leur différence en nombre, les groupes de Bloods deviennent de plus en plus violents. Alors que Los Angeles subit à cette même période une énorme montée de la vente de crack et de cocaïne. 1979, Raymond Washington est assassiné à côté de chez lui. Tookie Williams est accusé de 4 meurtres et il prend perpétuité. C'est très gang. Les deux leaders des Crips ne sont tout simplement plus là. Et c'est Ethan Clifton qui commence alors à gérer le groupe des Crips. À partir de là, les violences vont s'intensifier. Nous sommes au milieu des années 80 et les rues de Los Angeles comptent littéralement 30 000 membres de gangs. 30 000, c'est plus que ma ville. Les énormes profits que génère la vente de crack, de marijuana, des amphétamines permettent aux gangs de s'exporter vers d'autres villes et d'autres états. Les Crips et les Bloods ont tellement été un mauvais exemple pour beaucoup de jeunes qui se sont mis à reprendre leur nom, à reprendre leur style, à traîner avec des guns. Délirant. À cause de ces facteurs, le nombre de membres des Crips s'accroît très fortement dans les années 1980 et devient l'un des gangs les plus importants du pays. Les Bloods de la côte Est, quant à eux, se retrouvent affiliés au United Blood Nation, qui est nul autre qu'un gang qui a été formé au sein d'un système carcéral. Donc c'est comme si toi, là, tu te barres en prison et tu décides de créer ton gang. N'ont peur de rien. Non, ils n'ont pas peur de Dieu. Les Bloods étaient peut-être moins nombreux et moins organisés, mais ils étaient beaucoup plus violents que les autres gangs. Ils ont commencé à intensifier leur recrutement, ça fait très DRH tout ça. Ils initiaient les jeunes très tôt dans des attaques violentes, le sang comme rituel était la marque de commerce des Bloods. C'est marqué dans leur nom. Ils pouvaient donner un flingue à un petit de 10 ans et lui dire « Tu vois le monsieur là-bas ? Ce monsieur qui t'a probablement rien fait, qui est probablement un homme respectable dans la vie et qui a probablement des enfants. Bute-le pour prouver ta loyauté. » Le nombre d'homicides augmente chaque année de 1985 à 1992 en Californie. C'est terrible, des morts presque chaque jour à cause des gangs. Cependant, un événement va venir apaiser les tensions. Un Afro-Américain du nom de Rodney King se fait tabasser par 4 officiers de police qui seront tous acquittés. Les jurés du procès de Los Angeles sur les brutalités policières se sont prononcés.
Les jurés ont déclaré les accusés non coupables de tous les chefs d'accusation, sauf un qui a été annulé. Je pense que vous êtes au courant de l'histoire, ça va créer une émeute infernale. C'est alors que les habitants de Piru Street et les Crips vont s'allier. Ils décident même de conclure une trêve, parce que le cœur de leur union à la base c'est de protester contre les violences policières, donc je pense que c'est un événement qui leur a mis un coup de fouet. C'est un événement tragique, mais qui leur a remis les pieds sur terre. 1998, on recense 150 000 membres de gangs dans la région de Los Angeles. Tu peux marcher tranquillement dans n'importe quelle rue de Los Angeles et croiser un Crips. Le nombre d'homicides attribués à la guerre de gangs est cependant en baisse. Que demande le peuple ? Tokey Williams, depuis sa cellule, va s'exprimer en 2005 pour dire aux gangs, voilà, les gars, apaisez les tensions, à la base, nous, on proteste contre la police, on se tape pas entre nous, en fait. Les leaders de chaque gang vont se réunir pour discuter de comment arrêter toutes ces violences, et une sorte de traité a été signé par la suite pour dire qu'en gros, c'est la paix. Nous, les Bloods et les Crips, avons su rester soudés face à la police et aux médias. C'est donc soudés que nous retournerons ensemble dans les parcs et les lieux de loisirs. Et nous donnerons à notre communauté la certitude de ne plus avoir rien à craindre. Ça me termine, genre c'est un bout de papier qui va décider du sort des Crips et des Bloods. Ça va jusqu'au sang, ça va jusqu'à la mort. Et c'est un papier qui décide de tout. C'est un côté très débile. Les humains sont bêtes, hein. Maintenant que vous connaissez l'histoire des Crips et des Bloods, parlons un peu plus de la culture des gangs. Chacun des gangs a développé une réelle culture. Ces cultures maintiennent la cohésion et l'esprit de groupe de chaque gang. L'identification des membres se fait à l'aide de plusieurs indicateurs, comme les couleurs, les bijoux, les symboles, les tatouages et un code vestimentaire très strict. La tenue vestimentaire, par exemple, est très importante pour déterminer l'appartenance à un gang, parce que la plupart des membres actifs ne s'en cachent pas et le montrent plutôt fièrement. Les Crips sont connus pour s'habiller en bleu, mais ils s'habillent aussi en noir, tandis que les Bloods, en réponse, ont choisi le rouge. Pas comme s'ils allaient choisir le violet, quoi. Ils s'appellent les Bloods. On vous dira dans n'importe quelle association, n'importe quel groupe, qu'il est très important de tendre vers ce genre de choses. C'est bête, mais je prends l'exemple de Thibaut InShape avec son intro. Damn la team shape! Ses gimmicks, son langage, la petite veine sur le bibi, les petites, sa phrase de fin, et vous êtes les meilleurs, boum! Enfin bref, toutes ces choses-là font qu'il va créer un mouvement fédérateur dans le groupe. Les gens fans de lui vont le reprendre. Et à chaque réunion, chaque convention, il pourra facilement reconnaître des gens de sa team. S'il crie boum et que tout le monde crie boum avec lui, il saura que c'est des gens de sa team, tu vois ce que je veux dire. Ça crée un sentiment d'appartenance qui n'est pas du tout négligeable. Et ça, les gangs l'ont compris. Ça rend la chose beaucoup plus concrète. Le stacking. À ton avis, c'est quoi le stacking? C'est quoi, hein? Il s'agit d'une manière de communiquer par des signes, tout simplement. Chaque gang possède ses codes permettant aux membres de s'identifier entre eux rapidement suivant la façon dont ils croisent les doigts pour se saluer. Ou bien pour poser sur les photos par exemple. Ce langage permet également de communiquer de façon discrète avec ses acolytes. Rien qu'à l'oral par exemple, il y a certains codes qui existent. Certains Crips n'emploient pas la lettre B dans leurs phrases, parce que selon eux, c'est affilié aux Bloods. Entre eux, ils s'appellent généralement Cuz pour cousin, ça commence par un C, t'as capté. Et les Bloods vont s'appeler Bro pour le B de Blood. Durant les années 1970 et 80, les Crips avaient pris l'habitude de communiquer en Kiswahili en prison pour ne pas se faire comprendre des gardes et des autres gangs rivaux. Le Kiswahili n'est rien d'autre que la langue nationale au Kenya et au Congo. C'est aussi une langue véhiculaire en Ouganda, Burundi, Mozambique, Malawi et en Zambie. Oh, Seigneur, j'ai plus de souffle. Les gangs utilisent aussi des codes graphiques à travers leurs tatouages ou leurs graffitis. Les tags et graphes servent à clamer un territoire, un pâté de maison ou une rue. Les Bloods et les Crips taguent leur nom ou des insultes envers l'autre. Les Bloods appellent les Crips péjorativement les Crabs. Je sais même pas si c'est drôle ou si ça fait pitié, mais ok. Et les Crips appellent péjorativement les Bloods les Slubs. Je sais pas si c'est drôle ou si ça fait pitié. Mais en tout cas, ils s'insultent comme ça. Enfin, c'est leur territoire qu'ils mettent comme ça. Les Crips ont également créé une danse dénommée le Seawalk, qui à l'origine n'était exécutée que par les Crips. Elle s'est largement développée par la suite, par des rappeurs tels que Ice Cube. Je trouve ça ultra ringard, je sais pas pourquoi, enfin bref, peut-être qu'à l'époque c'était vraiment stylé, mais t'as ton crew et tu crées ta danse. À l'époque ça devait être stylé, ne critiquons pas, on a nos dingueries aussi, hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'économie des gangs de Los Angeles repose sur presque tous les trafics, délits et crimes qui existent. De l'extorsion de fonds aux agressions en passant par les vols, et du trafic de drogue à celui d'armes en passant par la prostitution, c'est trop. Tout ce qu'il y a de mauvais sur Terre. Les rivalités entre les différents gangs sont donc entretenues comme des entreprises, en fait. Ils essaient de gagner des parts de marché, sauf qu'en fait, dans la rue, tu vois, les stock options, ce sont les pâtés de maison. Et les OPA, ça se règle à l'ouzi. Nous, ici, ça tire. Enfin, voilà, je pense que je vous ai donné un peu toutes les informations qu'il y avait à savoir sur les Crips et les Bloods. Maintenant, quand on vous demandera, vous pourrez faire les malins. C'est quoi les Crips? C'est quoi les Bloods? Ouais, les Crips et les Bloods, ils ont fait ça, ils sont nés à cause de ça. Parce que beaucoup de gens pensent que les Crips et les Bloods sont seulement deux gangs rivaux qui s'entretuent. Ouais, mais il y a bien un début. Et je pense que vous étiez loin de vous douter que leur création à la base, c'était pour se défendre contre les violences policières. Donc il y a un côté très louable dans leur gang. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était Loni, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas une histoire, ce sera peut-être un épisode de Hobbs. Si ce n'est pas un nouvel épisode de Hobbs, ce sera une autre vidéo. Ciao !